Coucou les filles, alors je viens aujourd'hui vous faire une vidéo sur les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire qui était le 31 octobre. Donc c'est une petite vidéo sur ce que j'ai eu au niveau soins et make-up. Les autres je les ai pas fait, enfin je les ai pas montré les autres cadeaux parce que je voyais pas trop l'utilité de vous montrer ça. Après si vous voulez que je vous les montre, il n'y a aucun souci, vous me dites et je vous ferai une petite vidéo. Donc je vais commencer par les cadeaux que mon amie Elodie m'a fait. Donc pour commencer, j'ai eu ceci. Donc c'est une petite bouteille de champagne, sauf qu'il n'y a pas de champagne dedans. C'est un bain moussant à la fraise. Alors je suis désolée, c'est pas ma caméra, c'est ma webcam. J'avais plus de batterie, donc j'étais un peu fainéante de le recharger. Et du coup, je vous fais ça à la webcam. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petites paillettes. Donc je ne l'ai pas testée. Elle m'a pris goût fraise et sachant qu'elle sait que j'adore la fraise, c'est parfait. Ensuite, j'ai eu également de sa part trois vernis, enfin quatre vernis, mais trois qui étaient ensemble. Donc un rouge et hop là, un doré et un noir. Donc c'était un petit lot en fait de trois vernis. La marque c'est Sinful Color Professionnel. Donc ça je vais vous mettre les swatchs. Il y a déjà pas mal de swatchs qui sont arrivés sur mon blog de vernis ou des ombres à paupières que j'ai eu. Donc on voit pas vraiment pas très bien vu la qualité de la webcam. Mais au moins comme ça vous permet de voir ce que c'est. Donc ceux-là je les ai pas encore testés, sachant que je connais la marque et je suis super contente de leur vernis. Le petit kit m'a fait énormément plaisir. Donc voilà. Ensuite, donc le quatrième vernis, toujours de la même marque. Donc on voit pas très très bien, mais en fait c'est un vernis pailleté bleu avec des paillettes plus longues blanches, en fait argentées. Donc c'est celui-là que j'ai sur les ongles. Donc là c'est pareil, je vais faire un swatch sur mon blog. Mais donc là j'ai un vernis Chanel. Et dessus j'ai mis celui-ci et donc des petites paillettes bleues avec on voit très bien des argentés. Donc là c'est le numéro il n'y en a pas le numéro, enfin bon, celui-ci il est top, ils viennent de sortir hein, ça moi je les trouve cool, Lafayette. Donc ils viennent de sortir et il y en a plein d'autres, mais celui-ci c'était une tuerie, je l'avais repéré avec elle et donc elle me l'a offert. Ensuite, par ma cousine Virginie, j'ai eu, donc hop là, bah, ça s'est sauvé, un kit comme ceci de chez Nocibé. Alors, dans ce kit, donc vous avez la petite, je ne sais plus le nom, la petite toupette pour le bain, on va dire ça comme ça. J'ai reçu également un savon. Alors, deux sucres de bain également. Donc, c'est litchi groseille. Ça sent super bon. Franchement, elle a super bien choisi. Et elle a pris du rose, bien évidemment. J'ai eu également le gel douche. Donc, j'ai hâte de le tester parce que l'odeur est vraiment superbe. J'ai eu également le gommage. Donc, ça, c'est pareil. J'arrivais presque à la fin du mien. Donc, je suis super contente de pouvoir le tester. Et le lait. Pour le corps également, les litchi groseille. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça parce que ça sent super bon. C'est vraiment agréable. Je connaissais les produits, enfin, jamais testé, mais j'avais hâte de tester. Donc là, ça va être la super occasion. Donc voilà. Et elle m'a également offert une grosse palette hein, de pareil, la marque Nocibé. Donc celle-ci, moi j'avais déjà vu leurs ombres à paupières qui étaient juste magnifiques. Donc là j'ai reçu une grosse palette. Donc il faut savoir que malheureusement elle a été cachée pendant le trajet, mais ça c'est pas très grave, on s'en fiche un petit peu on va dire. Le plus important c'est qu'elle soit entière. Alors je vais vous les montrer un petit peu. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, il y a juste celui-ci qui est arrivé cassé, mais c'est pas très grave. Donc vous avez des mats et des irisés qui sont vraiment magnifiques. Donc j'ai hâte de la tester. Je vous en swatcher quelques-uns. Donc là vous avez un bronze marron qui est magnifique. Là vous avez un gris pailleté qui est super beau. De toute façon je vous ferai des swatchs hein, et des tutos également avec la palette. Donc là un vert qui est magnifique. Donc ils sont bien pigmentés, ils m'ont l'air bien pigmentés à mon goût.
là un argenté qui est vraiment magnifique. Donc, de toute façon, je vous montrerai tout ça très très vite. Je pense même vous faire une petite revue sur les palettes que j'ai. Donc, pour vous montrer un peu, vous dire les couleurs que je préfère. Sachant que la plupart des palettes que j'ai, je pense que beaucoup d'entre vous les ont. Parce que ce sont des palettes que beaucoup de personnes ont. Je me répète un peu. Ensuite, par Elodie, j'avais reçu également cette palette. Voilà, déjà j'aimais beaucoup le packaging. Donc ça c'est pareil, vous trouvez ça au Carré de Lafayette. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc un petit miroir avec deux cœurs. Et vous avez un gloss, vous avez un mascara, un crayon noir, le petit pinceau et les ombres à paupières. Donc celle-ci, je les ai testées, les ombres à paupières. Elles sont pas mal du tout. Et au niveau tenue, c'est super. Alors, est-ce que je vais réussir à vous les swatcher? On voit pas très très bien, sincèrement, vu que j'ai pas la bonne vidéo, enfin, le bon matériel aujourd'hui. Mais bon, franchement, je vous ferai des swatchs. De toute façon, ça c'est déjà en photo sur mon blog, donc les couleurs ressortent plus facilement. Vous verrez, c'est vraiment très très beau. Et ensuite, par ma maman, j'ai eu quelques petites choses. Donc déjà pour commencer, j'ai eu ce mascara. C'est le Studio Makeup donc de la marque Galeries Lafayette. Et j'étais agréablement surprise parce que j'ai pu le tester. Donc la brosse se présente comme ceci. Et vraiment, elle allonge très très bien, elle donne un volume super super bien. Et la brosse fait pas de paquet. Et donc ça j'adore parce que j'arrivais pas à en trouver un. À part mon Lancôme, je n'en trouvais pas. Et ensuite, j'ai eu. Alors on va commencer par ça. Donc deux petites ombres à paupières. Donc une blanche irisée. Oui, on va dire ça. Et une bronze. Donc qui est juste magnifique. Donc qui se présente comme ceci. Donc elle a des reflets, elle est magnifique. J'ai déjà utilisé celle-ci. Voilà. Et j'ai également eu ma tire au sourire. Pourquoi elle ne s'ouvre pas? Ah bah voilà. Voilà, celle-ci. Donc là, on voit pas, c'est dommage parce que j'ai trop de lumière. Elle fait très blanche, mais quand vous l'appliquez, c'est vraiment très irisé. C'est juste magnifique. Donc là, on a l'autre aussi, juste à côté. Voilà, donc ça c'est deux petits ombres à paupières qui sont juste vraiment très très belles. Et le dernier cadeau que j'ai reçu en make-up par ma maman, c'est cette palette-là. Je pense que vous devez la connaître. Donc c'est la palette de Estée Lauder, c'est la Pure Color. C'est Cyber Métallique Violet Underground. Donc c'est la numéro 1. Celle-ci, quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Voilà, c'était vraiment une pure beauté. Donc la voici, comme vous pouvez le voir, elle est juste magnifique. Je l'ai swatché en magasin et c'était une tuerie. Donc là c'est pareil, je vous ferai des swatchs très très bientôt et je vous ferai des photos de mon des maquillages que je ferai avec elle, je pense. Voilà. Donc voilà ce que j'ai eu les filles en make-up pour mon anniversaire. Je suis encore vraiment désolée pour la qualité et la luminosité parce que il est tard et la nuit tombe très vite maintenant chez nous. Je vais bientôt revenir avec plein de vidéos puisque j'ai l'occasion d'être en vacances peu de temps, mais je vais pouvoir avoir le temps de vous faire des vidéos. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos également, n'hésitez pas à me demander ou à me donner des idées. Pensez à vous abonner à ma chaîne, il n'y a aucun souci, c'est gratuit. Pensez également à aller voir sur mon blog parce que tout est pris en photo et les swatchs sont sur le blog. Donc tout ça va arriver très vite également. Il y a des vernis que j'avais achetés il n'y a pas longtemps où j'ai enfin fait les swatchs. Donc tout ça, vous pourrez les voir sur le blog que je mets en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!